En fait, il y a longtemps, quand Allah, il avait envoyé le prophète Ibrahim, longtemps, et là, les gens, ils commençaient à être méchants. Ils n'adoraient pas Allah. Et là, Allah, il avait dit à Ibrahim, quand il était petit, il se disait des questions, c'était qui Allah? Il réfléchissait, et eux, ils disaient, c'est les statues Allah. Et Ibrahim, il a dit, une statue, ça peut pas bouger, une statue. Et il a réfléchi encore. Et maintenant, il savait que c'était qui le plus fort. C'était Allah. Il n'y avait qu'un seul Dieu. Et là, Allah, il a dit, va vite raconter à ton père. Et il a couru vite pour raconter à son père. Et il a dit à son père, papa, attends, je peux te poser une question. Allah, il avait dit que on ne doit pas adorer les statues, on doit adorer Dieu. Et il a dit, mais tu racontes des bêtises, tu racontes n'importe quoi. Il a dit, non, t'es plus mon fils, ça y est. Et là, il y avait une fête. Et lui, il ne voulait pas dire aller à la fête. Il était fâché. Et là, quand il est arrivé à leur maison, il a vu les statues. Il a trouvé un bâton et il a cassé tous les statues. Mais sauf le bâton, il l'a posé dans la grande statue. Et là, ça y est, il est reparti. Et les autres qui adoraient les statues, ils sont revenus partir voir leur statue. Et il a dit, et ils sont dire, mais pourquoi on n'a pas... Mais pourquoi la statue, elle ne peut pas pousser? Et ils ont réfléchi, ils ont dit, ah, c'est Ibrahim. Et là, il avait dit, c'est toi, Ibrahim, que tu as cassé nos statues. Non, c'est pas moi. Si vous adorez les statues, et bien une statue, ça ne peut pas bouger. Vous dites que c'est Dieu, les statues. Et lui, il avait dit, oui, c'est moi qui ai cassé les statues. Mais ils avaient décidé de lui dire. Ils avaient une idée. Ils ont décidé de le punir. Alors ils ont construit un immense feu et ils l'ont jeté dans le feu. Et après, Allah, il avait dit au feu, oh, s'il te plaît, le feu, brûle pas mon prophète Ibrahim. Et là, il était tranquille parce que c'était froid. Et là, quand le feu il a disparu, ils ont dit, ah, d'accord, Ibrahim. Ils ont dit, mais Ibrahim, t'es pas brûlé, t'es pas brûlé? Et il a dit, oui, Allah m'a sauvé. Et ils vont dire, ah, d'accord, c'est bon, on a compris. Et ils vont dire à Allah, oh, s'il te plaît, Allah, pardonne-nous. Et Allah, il avait dit, oui. Et il y en a un petit peu qu'ils aimaient pas Allah. Ils ont dit, non, t'es un menteur, t'es un magicien. Et les gens, ils ont écouté Ibrahim, mais pas tous les gens. Il y en a un petit peu qui n'ont pas compris. Masha'Allah, on peut regarder.